Good morning, allez, Yiden, les tous trois aujourd'hui, le Nishmat, mon verbe, je m'en vais, je m'en vais, Nissim ben Amouda, Sarah Batran, Rachel, Shomo ben Esther, Richa Batrim, Nechemia, Lorle, Abad Beila, Shalom ben Chabiba, ainsi que l'Irfoua, Tavra Mouri ben Reout, Motor, Shachol, Israël. Si vous savez, vous étiez d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Massech Hezevachim, Perikud Alef, Mishnah Vav, Kli, Nechoshet, Shiatza, Chutz, Leklaim, Nichnas, Umorko, Veshotfo, Bemakom Kadosh, Nitma, Chutz, Leklaim, Pochato, Nichnas, Umorko, Veshotfo, Bemakom Kadosh. Pour rappel, dans toutes les Mishnayot, on parle, grande partie du Perek, on a parlé du vêtement sur lequel a eu une éclaboussure de sang du Khatat. Et le deuxième sujet qu'on a aussi ouvert, qui se trouve dans le même Psukim, Vaikra, Perigvav, Pasuk, Khaf, et Khaf Alef, Khaf Bet ensuite, on parle cette fois-ci d'un ustensile qui a absorbé du goût de Khatat. Par exemple, une fois qu'on a dans la Hazara, on apporte un korban khatat, en fait on a apporté tous les korbanot, c'est la même halakha pour ça. Donc il y a eu un korban qui a été fait, la part qui revenait au kohanim, les kohanim ont reçu leur part, le kohen s'est dit, allez, je vais me le faire frire dans l'huile. Donc il a fait frire son steak dans l'huile par exemple, et ce qui se passe, c'est qu'à présent, cette poêle, elle a absorbé du khatat. D'où le problème. Il va falloir se dépêcher maintenant de faire dégurgiter le goût du khatat qui est absorbé en lui faisant ce qu'on appelle la hagala, comme ce qu'on fait à Pessah, la kachériser, d'accord ? On kachérise l'ustensile par le feu, au morak, le shutaf bamaim, la Torah nous a dit, tu devras le faire merika et shtifa. On expliquera c'est quoi merika et shtifa. Merika, c'est faire ébouillanter, shtifa, c'est faire laver à l'eau froide. On expliquera ensuite, ce sera un petit peu expliqué plus loin. D'accord ? Donc, ébouillanter l'ustensile. Dans la Mishnah précédente, on a parlé d'un kli cheres, un ustensile en argile, qui a la singularité de ne pas pouvoir être cachérisé. L'argile, on ne peut pas le cachériser, après ça, la faïence. L'argile, on ne cachérise pas. Le verre, c'est discuté, c'est pour ça que beaucoup s'abstiennent, les Ashkenazim essentiellement s'abstiennent d'utiliser le verre à Pessah, parce qu'ils le considèrent, que c'est la Khumra en tout cas, considéré comme un ustensile qui est fait à base de sable, à base de terre, donc c'est le même principe. D'accord ? Voilà pour la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah maintenant, on va parler d'un ustensile en cuivre, en métal en fait, qui est, lui, cachérisable, on pourra lui faire la Hagala. Donc on est avec cette fameuse poêle que j'ai fait cuire mon steak du Khatat, que le Kohen a fait cuire son steak du Khatat, dans la Hazara. Et la Mishnah lui enseigne, s'il y a eu un ustensile en cuivre qui est sorti en dehors des limites de la Hazara, de l'enceinte, de la cour du Beth Amikdash, où là-bas il devait nécessairement manger les korbanot Kodesh Kodeshim sans les sortir. Et lui, il est sorti avec cet ustensile, il est parti même à Arabaït par exemple. Alors la Mishnah m'enseigne, Nichnas ou Morko veshotfo bemakom kadosh. Il devra re-rentrer dans la Hazara et aller lui faire la Merika ou Shtifa, le lavage et la purification dans le Bemakom Kadosh, dans le lieu saint, c'est-à-dire il utilise le verset qui nous dit Bemakom Kadosh, c'est-à-dire dans la Hazara. Ok ? C'est clair pour le moment. Donc on est sorti avec la poêle, on re-rentre dans la Hazara et dans la Hazara, on la kachérisera. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que Nitma Chutz Leklaim. L'ustensile a été impurifié, souillé, lorsqu'il était en dehors des klaïms. C'est-à-dire, on avait la poêle, on est sorti en dehors de la Hazara, on se retrouve en plein Yerushalayim, et ce qui s'est passé, c'est que l'ustensile est devenu impur. Il est entré en contact avec un bout de chéretz, par exemple. Il y avait un chéretz, un reptile mort, il est rentré en contact avec ce reptile, par exemple, mort. Alors maintenant, il est impur, il y a un interdit de faire entrer quelque chose d'impur dans la Hazara. Or, il a aussi une mitzvah de rentrer dans la Hazara pour le laver. Comment est-ce qu'on va faire? On ne peut pas le purifier au mikvé, je ne sais pas pourquoi, il y a un tiré de ça, je vous expliquerai le problème. On soulèvera le problème après. Mais en tout cas, concrètement, on ne peut pas le cachériser. On ne peut pas le tremper au mikvé pour le rendre pur, pour le faire rentrer dans la Hazara. On est bloqué. Donc, quelle solution on a? Le même principe. Le défigurer, tout simplement. Faire en sorte que l'ustensile ne va plus être un ustensile. Comment? En lui faisant un trou. C'est ce que la Mishnah appelle pochato. Il devra le réduire en lui faisant un bon trou. Cette fois-ci, on ne pourra plus faire un tout petit trou. Il faudra faire un trou conséquent.
pour Rato. Ouais. Et tel que c'est écrit, une fois que tu l'as fait perdre, tu l'as fait un trou important, donc tu avais ta poêle en plein milieu, tu l'as perforé. Et après seulement, Nirnas ou Morgo Veshotfo Bemakom Kadosh. Et ensuite, puisque maintenant, lorsque tu l'as annulé, son statut d'ustensile, l'a purifié, le statut d'impureté, lui, s'en est allé, d'accord, il est parti. L'objet devient pur, comme on avait expliqué, quelque chose qui n'a plus un statut d'ustensile, il ne peut pas véhiculer d'impureté. Donc de ce fait, tu avais un ustensile, il véhiculait l'impureté, il a arrêté d'être ustensile, il ne véhicule plus l'impureté, son impureté se retire. De ce fait, tu peux ensuite venir Nas, tu pourras le faire entrer dans la Zara, ou Morko, Veshotfo, Bemakom Kadosh, et tu pourras ensuite le laver et le cachériser dans le lieu saint, dans la Zara. Voilà, tel que c'est écrit. Il y a tout d'abord un problème technique très embêtant. Vous vous rappelez, le pasouk qu'il a enseigné, il insiste en me disant, il était là, le Klihu. Bref. La Torah insiste constamment en disant cli, cli, cli. À chaque fois que c'est un ustensile, la mitzvah de purifier, de faire l'Amérique Ashtifa, de faire dégurgiter, régurgiter, je ne sais pas comment dire, de faire cracher l'interdit absorbé dans l'ustensile, ça ne concerne qu'un ustensile. Si l'ustensile cesse d'être un ustensile, il n'y a plus d'obligation de lui faire cet aga-là. D'accord ? Donc, du coup, on a un problème technique. C'est que là, tu m'as dit de le perforer. Ça marche plus de faire un tout petit trou. Pas comme pour le Kli Kheres. Kli Kheres, avec un petit trou, il perd son statut de Kli. Kli Nechoshet, un ustensile en métal, en fait. Eh ben, c'est très compliqué pour lui faire perdre son statut d'ustensile. Il faut vraiment qu'il ne serve plus à rien. Il faut lui faire un sacré trou. D'accord ? Un bon trou. De ce fait, tu vas le perforer en plein milieu. Vous prenez une poêle, vous lui faites un beau trou. Je connais pas la quantité, mais j'imagine que Zadot connaît ses etzba, j'imagine. Et Dalachot, comme ça. Connaissez pas de quoi faire entrer un doigt. Donc vous imaginez, vous avez une poêle avec la possibilité de mettre votre doigt en plein milieu d'un trou. C'est plus une poêle. Bon, c'est bien. Il n'y aura plus d'impureté. Mais il n'y a plus non plus d'obligation de lui faire l'Amérique au Shtifa. De ce fait, le partenaire il rapporte que, une fois que tu l'as perforé, tu dois ensuite continuer à taper dessus cette fois-ci pour essayer d'aplatir et de refermer le trou tant bien que mal, de manière à ce qu'il va reprendre un statut d'ustensile pour pouvoir ensuite entrer dans la Zara et le cachériser. Voilà pour le problème soulevé dans le Bar Tanoura. Maintenant, moi, j'ai un autre problème dans toute cette histoire. C'est que un ustensile en métal, lorsqu'il est devenu impur en dehors de la Hazara, alors il y a une solution simple, c'est d'aller tremper au Mikvé. Une fois que tu le trempes au Mikvé, tu rentres dans la Hazara et tu pourras ensuite lui faire l'Amérique à Eshtifa, lui faire cette cachérisation. Pourquoi est-ce que la Mishnah m'enseigne que non, on est bloqué? C'est une question que j'avais, que presque personne n'a parlé, si ce n'est le Tiferet Israël, dans la partie Boaz. Tiferet Israël, il est décomposé en deux pirushim, le Yachin et le Boaz. Et là, dans la partie Boaz, il soulève la question, il débat, j'ai pas vraiment compris sa réponse, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. On aura soulevé la... Il y a une raison technique, en tout cas, qui empêche de ne pas pouvoir purifier. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.